Bonjour à tous, c'est Docteur Court-Circuit. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un timelapse de la Elego 3D Mars. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un timelapse, je vous laisse aller voir la vidéo qui va se trouver sur la petite fiche en haut à droite, où j'ai fait un timelapse de la Dagoma Neva Magis et je vous explique ce que c'est. Maintenant, moi je vous laisse en image, c'est parti. Voilà, donc l'impression est terminée. Maintenant, je dévisse au-dessus. Donc, je viens poser la pièce là sur un sopalin et je vais prendre ma spatule pour retirer l'impression. Donc elle est assez dure à retirer parce que j'ai passé un coup de papier de verre pour que ça accroche. Donc je vous laisse pendant quelques minutes et moi je la décroche. Donc voilà. J'ai terminé, donc ça a pris pas longtemps, mais j'ai dû prendre un petit marteau et puis venir taper ici, pour la décoller. Donc maintenant qu'on est comme ça, donc là, je remets la base ici, il faudra que je refasse un calibrage. Hop. Donc ça, maintenant je vais venir prendre mon petit pot à bonbons, un mètre de dos, l'impression, voilà. Ensuite, de l'alcool à brûler. On est généreux, hein. Voilà, parfait. Parce que l'avantage de l'alcool à brûler, c'est que ça nettoie bien et qu'en plus, ce n'est pas cher. Donc maintenant, je prends ma pièce et je vais venir la tourner un peu dedans. Comme ça. Là, c'est pour la nettoyer, pour éviter qu'il y ait de la résine encore qui soit collée dessus. Hop. Là. Donc, j'ai fini. On peut laisser plus ou moins longtemps. Hop, je repose sur le papier. Ça, j'irai jeter après. Ensuite, à l'aide d'un papier essuie-tout, et un peu presser la pièce pour retirer du coup tout l'alcool à brûler qui est dessus. Et bien dans les petites parties. Donc là, on commence déjà à voir un petit peu les détails du zombie. Voilà. Ensuite, je ramène donc la lampe UV avec mon sopalin. Voilà. Et je vais devoir le faire en plusieurs parties étant donné qu'il est trop grand. Donc, je branche. Là, je mets 60 secondes. Si j'allume pas la prise, ça va pas le faire. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, je viens de lancer la dernière phase sous les UV. Donc je vous invite à aller voir la vidéo présentative de la Elego 3D Mars. Je vous invite aussi à aller voir donc, la vidéo où je présente mes premières impressions 3D avec cette imprimante. Donc je mets tout ça dans la petite fiche qui va se trouver en haut à droite. Maintenant, il ne reste plus que quelques secondes. Et on va pouvoir voir enfin le rendu. Voilà. Donc, le rendu est splendide. J'aime bien aussi un peu le côté brillant là de la résine. On ne voit pas du tout les traces d'impression comme sur une imprimante 3D traditionnelle. Tenez, je vais vous montrer. Ce n'est pas le même modèle, mais voilà. C'est pas du tout pareil. Là, ici, on voit un peu les traces, là, pas du tout. Donc, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Allez, salut !